Bonjour et bienvenue à l'atelier stick du cabaret chez Titi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une forme de jeu. Je dirais, on va aller voir du côté des saxophones comment ils jouent et on va essayer de leur piquer quelques plans. Oui, on les aime bien, nos saxophonistes. Et parce que quand on joue du stick, on a tendance, les instruments tapping, on a tendance à faire souvent des notes différentes tout le temps. Plap, et on a la possibilité de répéter des notes, de faire des choses comme ça. Mais tout ce qui est liaison, c'est pas évident. C'est les trucs de sax vraiment. Ouais, des trucs comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça sur notre stick? Parce que si on fait. C'est. Waouh! Ça demande une technique. Voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Alors, déjà prendre la. On va se mettre en fa. Comme ça, on va se mettre dans l'univers sonore du sax. Hein. Fa, si bémol, mi bémol, etc. Voilà. La pentatonique blues. Hein. En fait, ce qu'il faut faire, je pense, c'est des mouvements de poignet. Déjà, il y en a un. Il faut vraiment, même à la limite, jouer avec deux doigts comme ça. Même ça arriver sur le troisième. Là, comme ça, on assure. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Enfin, il faut viser les notes de l'accord. Enfin, même la pentatonique finalement. Ouais, elle est là. Et là, on commence à avoir un jeu un peu plus liquide. Hein? Oh, c'est un atelier là. Un peu là. Ça, c'est le plan de la Benson. Ah, this note goes
petite note. Donc ça fait un jeu beaucoup plus liquide et j'espère que ça donnera des idées à certains. Allez, bon dimanche !